Bonjour. Alors, je ne vous représente pas Gérard Berry aujourd'hui. Son deuxième cours va être consacré au point de vue de l'industrie sur la coopération recherche-industrie dans le domaine de la programmation synchrone des systèmes réactifs. Et il sera basé sur son expérience personnelle en tant que directeur scientifique de la société STRL Technologies de 2001 à 2009. Voilà, l'exposé de Gérard sera suivi par un exposé de Pascal Flandrin. Patrick Flandrin. Bien, bonjour à tous et bonjour aux internautes. Donc, dans ce deuxième exposé, qui va être très différent du premier exposé, bien que sur le même sujet, je voudrais vous raconter le point de vue de l'industrie, pas seulement dans la coopération industrie-recherche, mais dans la vie de l'industrie, parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de chercheurs qui sont intéressés par comprendre le point de vue de l'industrie, mais qui n'ont pas l'habitude qu'il faut, et ce n'est pas du tout un point de vue qui se comprend en faisant rien. Donc, ce n'est pas du tout un point de vue intuitif, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. En particulier, ça pose pas mal de problèmes de coopération recherche-industrie, que les industriels ne comprennent pas forcément le point de vue des chercheurs, mais que l'inverse est peut-être encore plus vrai. Donc, ce ne sera pas du tout un cours standard, c'est un cours que je n'ai jamais fait, que j'ai presque jamais vu faire, au moins par un scientifique, donc vous serez peut-être choqués par moments, c'est exprès, et j'espère que ça pourra servir à quelques-uns, au moins, de comprendre ce qui se passe. Alors, voilà, je rappelle la situation à peu près vers l'année 2000. Donc, nous avions développé dans les trois équipes françaises mixtes automaticiens-informaticiens, on n'insistera jamais assez là-dessus, trois langages synchrones, tout à fait innovants. Le premier, celui qui nous concernera en premier aujourd'hui, c'est STRL, donc développé ici à l'INRIA Sofia, et qui avait déjà une activité industrielle. Il était développé par Cisy Ingénierie et ILOG, à la demande essentielle au départ de Dassault et Thomson, et puis d'autres gens après. Et puis ça a été transmis à Verilog. C'était une histoire un peu compliquée parce qu'il y avait une toute petite équipe, il y avait des clients, mais une toute petite équipe, pas beaucoup de financement. Ça faisait très français comme histoire aussi, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le système qui rentrait et qui sortait. SCADE avait été développé aussi par une société Verilog, avec un point de vue différent, des clients donc beaucoup plus, pas dans le même domaine, dans le domaine de l'automatique continue, donc le pilotage d'avions, etc., mais aussi une histoire d'une société petite qui a du mal à se développer, avec des finances quand même un peu petites aussi, et quelque chose d'assez chaotique. Donc la dernière fois, j'ai peut-être expliqué que Lustre avait des avantages de langage donc, qui était à la base de SCADE. SCADE, ça veut dire Safety Critical Application Development Environment, environnement d'application de systèmes critiques. Et ça, c'était en particulier pour les centrales nucléaires et les avions au début, mais après les hélicoptères, les métros. Et donc, c'était quand même difficile, il n'y avait pas beaucoup de clients, la vie n'était pas simple, et SCADE est passé de Verilog ensuite à Telelogic, qui était une société de télécom, qui était beaucoup plus intéressée par un autre produit de Verilog qui s'appelait SDL, et qui ne s'intéressait pas trop à SCADE, donc ça avait un peu végété aussi, j'en reparlerai, et puis Signal, Sildex de TNI, qui avait d'autres clients, mais j'en parlerai pas parce que ça ne m'a pas concerné directement. Donc on avait cette situation, c'était industrialisé, mais c'était quand même pas très développé. Il y avait des promesses. Et puis aux États-Unis, j'avais mentionné des contacts très forts avec l'industrie électronique américaine, en particulier en CAO, Synopsys et Cadence, et puis en circuit Intel, et d'autres, hein, Motorola aussi, mais des contacts un peu préliminaires. J'avais oublié un contact fondamental, et je m'en excuse, auprès d'Edward Lee surtout. C'était Edward Lee qui développe le système Ptolemy à Berkeley, qui a incorporé une bonne partie des choses que nous avons faites. Et Edward Lee a donné un séminaire que je conseille vraiment de regarder sur le temps dans les systèmes modernes qui est disponible sur le site du collège dans mon cours. Non, en annexe de mon cours. Bien. Donc on avait pas mal de financements venant essentiellement des États-Unis. Et alors voilà, l'état des choses, c'était en gros ça. En logiciel, pour STRL, des clients actifs, Dassault Aviation, Thomson, qui n'était pas encore devenu Thales. En circuit, on avait beaucoup travaillé avec Intel sur la proposition initiale d'un langage beaucoup plus riche que STRL, qui incorporait d'ailleurs STRL et Lustre complètement. STRL V7, qui est décrit dans mon cours 2013, donc vous avez deux cours dessus sur le web. Je ne vais pas insister, mais surtout qu'il y avait les chemins de données, ce que n'avait pas STRL.
Et puis, beaucoup d'expérimentations de, par des fans, si on peut dire, chez Intel, où on avait, par exemple, enfin, Mike Ichinevski avait travaillé sur un étage du protocole Serial ATA, c'est celui qui vous permet de connecter votre disque. Il avait fait un très joli design en SRL, en essayant de le montrer équivalent avec un proof checker, avec un vérifieur de preuves au design Intel. Il avait trouvé un bug dans le design Intel, un bug très intéressant, qui n'avait pas été trouvé malgré des milliards de cycles et qui a été trouvé instantanément par le prouveur et corrigé après. Donc, il y a aussi un design dans le Pentium qui est fondamental. J'expliquerai en détail la prochaine fois. La prochaine fois étant consacrée à des problèmes scientifiques durs qui nous ont été portés par l'industrie, qui étaient beaucoup plus durs que ceux qu'on avait nous-mêmes dans la recherche. Motorola à Genève, STMicro à Grenoble, Xilinx aux États-Unis, sur les FPGA. Beaucoup de travail ici qui commençait chez Texas Instruments, avec qui on va avoir une relation très privilégiée. Et puis, chez Cadence, beaucoup sur le hardware software co-design, avec Hélène Sentovic, qui a passé beaucoup de temps ici à Nera Sofia, et Luciello Lavagno. Et puis, chez Synopsys, un produit qui était vendu avec SRL dedans, mais qui n'a jamais eu un succès commercial. Donc, il y avait beaucoup de promesses. Et alors, le langage donc, a commencé à avoir cette tête-là. Donc, c'était, j'en ai parlé la dernière fois, les 5 charts de Charles-André, des automates hiérarchiques, qui venaient des state charts, mais rendus synchrones. Et puis, des chemins de données qui sont écrits ici. Et donc, on avait un langage qui était bien fait. Évidemment, ça, c'est un tout petit programme. C'est un lien super rapide sur l'FPGA, un protocole super rapide. Et donc, à cette époque-là, en 2001, Eric Bantegnie, qui était président directeur général de Simulog, et que je salue, a décidé... Bon, Simulog n'était plus du tout en forme, a été en fait démantelé, a décidé que la chose importante dans cette société, c'était les trois oiseaux dans un fond de couloir. À l'époque, Sylvain Dissoubray, Christophe Cuchet et je crois Philippe Couronnet, je ne sais plus si c'est exactement ça, et qu'il fallait fonder une société autour de ça, mais une vraie société. C'est-à-dire pas quelque chose de 3 personnes, quelque chose qui démarre à 80 personnes très rapidement et qui essaye vraiment d'avoir des clients dans le monde entier. Et donc, la société a été créée avec des clients connus. Et comme il y avait des clients connus et qu'on avait pas mal travaillé avec Intel, il y avait des actionnaires qui étaient assez puissants, je n'ai pas cité tous, mais en particulier, bon, il y avait l'INRIA, mais il y avait Intel Capital. Et ça, c'était très important comme marque de respect pour les autres avec qui on discutait. Et puis, il y avait une division réelle, c'est-à-dire que ce n'était pas la même personne qui faisait les ventes, le marketing, la R&D et tout. Et donc, il y avait une vraie structure industrielle. Et dans une vraie structure industrielle de société, il est évident que la R&D est un morceau et que ce n'est pas la R&D qui fait rentrer les sous, mais les ventes. Donc, ça, c'est très important. J'insisterai beaucoup là-dessus. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et cette structure a été très importante, de faire une vraie structure dès le début. Et alors, la première réunion a été tout à fait extraordinaire pour moi. Ça a été une révélation, parce qu'Éric Bantegnie, qui était déjà pas mal d'expérience, a réuni l'ensemble de la direction, c'est-à-dire tous les gens qui étaient là. En R&D, il y avait Bernard Dion et moi. Bernard Dion est bien connu à Sophie Antipolis, où il a passé beaucoup de temps. Il nous a réunis pour un séminaire de 2 jours dans un hôtel loin de tout et nous a posé une question, qui était celle-là. De quoi allons-nous mourir et quand ? Alors ça, c'était tout à fait extraordinaire comme question pour nous, donc on avait une tête un peu perplexe, et il nous a dit, faites une rédaction de 2 heures sur ce sujet-là. Alors, l'idée était de poser le problème, non pas pourquoi allons-nous réussir, parce que ça, on le fait naturellement avec des plans complètement foireux, des fois, il faut bien dire, et un enthousiasme communicatif. Non, c'était la question inverse. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que les réponses de tous les gens présents étaient totalement différentes, mais totalement. La réponse du marketing, la réponse des ventes, la réponse de la R&D, la réponse de la direction, des finances, n'avaient rigoureusement rien à voir. Et on a passé 2 jours à comparer nos réponses, et ça nous a permis pour la première fois de comprendre les autres métiers. Et ça, c'était super habile, et ça a été fondamental dans toute la suite. Donc, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que le marketing, je vais en parler pas mal. Le marketing n'est pas de vendre des savonnettes à des gens qui n'en ont pas besoin. Le marketing, c'est très subtil et très fondamental. Le marketing bien fait, bien sûr. Qui c'est qui est connecté encore ? C'est pas grave. Bien. Alors, on a développé ce système pour le hardware, mais il y avait quelque chose qu'on savait, parce qu'on avait quand même beaucoup de contacts industriels, c'est que développer un outil, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est développer l'intégration dans un flot de développement. Les industriels ont des flots de développement extrêmement complexes,
Et il faut être dans les flots existants. Il n'y a aucun moyen de dire changer votre flot. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop compliqué. Et le flow de design des circuits est assez fantastique, donc je vous le présente assez en détail. Au sommet, il y a les architectes. Les architectes sont très peu nombreux, sont des gens très spéciaux, et eux calculent le dimensionnement, choisissent ce qu'il faut faire comme nouveau circuit. Un microprocesseur, un circuit de téléphone, une plateforme, etc. Donc les architectes, c'est des cuisiniers très spéciaux. Et les micro-architectes, eux, voient moins l'ensemble, mais voient des parties difficiles. Ils vont prendre un problème dur, tous les problèmes sont durs en circuit, tous, il n'y a rien de facile, jamais, et par exemple vont prendre la partie TV, la partie audio, la partie radio, la partie navigation, la partie système, etc. Donc c'est aussi. Et ensuite, il y a des gens tout à fait différents qui sont ce qu'on appelle les designers en matériel, c'est-à-dire l'analogue des programmeurs. Alors on ne dit pas programmeur, on dit designer, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et là, donc, on est dans le niveau design. Et déjà, ces trois niveaux sont grands. Hein. Et ensuite, on rentre dans un niveau assez automatisé maintenant, qui est le niveau de synthèse, dans lequel on va aller du design logique, qui sont des programmes, en gros, et des programmes pas écrits dans les mêmes langages, quoique de plus en plus, et on va aller fabriquer les circuits. Et ça, c'est une longue et difficile étape, avec des logiciels très chers et compliqués à utiliser. Donc, on va d'abord compiler en circuit, ça, c'est le royaume de Synopsys et Cadence et Mentor. Ensuite, on va s'assurer que ces circuits peuvent être testés quand ils sont fabriqués. Il faut se rappeler que quand on fabrique des circuits, il y en a bien 50% qui, au début plus que ça, à la fin moins, qui ne marchent pas. Et donc, il faut les tester le plus rapidement possible. Les circuits qui ne marchent pas, il faut les tester un par un et très vite. Et donc, tester un circuit, c'est une aventure à soi tout seul, qui est très, très formalisée maintenant, qui s'appelle la DFT, Design Force Test. Ensuite, placer, router. Alors, vous avez des circuits à 1 milliard de transistors et quelques milliards ou dizaines de milliards de fils. Il faut les mettre sur un rectangle. Donc, ça occupe beaucoup. Et que ça ait des bonnes propriétés électriques. Et puis, vous allez fabriquer des masques qui coûtaient $1 million. Je pense que c'est plus cher que ça maintenant. Ça, c'est le résultat de la compilation, le masque. Ça coûte très, très cher et ça met longtemps à faire. Et puis, ensuite, vous allez envoyer ça à une fabrication, quelque part, qui va finir par vous rendre un circuit. Je pensais que j'avais fermé cet objet-là, mais non. Et la fabrication, donc ça, c'est un métier complètement différent. Donc, il y a vraiment trois niveaux de métier, le design, la synthèse et la fabrication, qui se causent, mais par des interfaces assez bien définies quand même. Alors, tout ça, c'est accompagné par un gigantesque flot de vérification. Il faut comprendre qu'un circuit, c'est fabriqué en une fois. Donc, s'il y a un bug sur 1 milliard de transistors, on ne peut pas changer, on ne peut pas patcher, on ne peut pas changer la roue, on ne peut pas changer le frein, il faut tout changer. Et c'est très long, très compliqué. Donc c'est assez invraisemblable, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de circuits qui se font d'ailleurs. Alors ils ne parlent pas la même langue, ils ne parlent pas du tout la même langue tous ces niveaux. Les architectes, ils parlent composants, dimensionnement, communication, flow, et ils font des traitements de texte, des tableurs, des dessins, et éventuellement des simulations de haut niveau. Les micro-architectes, ils parlent parallélisme, pipeline, partage de ressources, et ils vont faire un peu la même chose, mais ils écrivent des choses non formelles en général, c'est des documents. Et ces documents sont très durs à écrire et très durs à rendre précis. En dessous, vous avez les programmeurs, les designers. Donc, eux, ils vont parler des objets hardware, porte, horloge, registre, chemin critique, ils parlent de ça. Et eux, ils écrivent dans des langages de programmation spéciaux pour hardware, par exemple VHDL, Verilog, mais pas seulement, hein. Et je n'ai pas mis les vérifieurs qui écrivent encore dans d'autres langages de programmation qui font des tests aléatoires dirigés, des choses comme ça. Les circuits, ben, ça parle dans un formalisme complètement différent qu'on appelle les netlists, les listes de fils et de portes. Et on parle de cellules, d'arbres d'horloge, de surface, de vitesse, etc. Et c'est beaucoup par surface et vitesse qu'on dialogue à ces niveaux-là. Et après, bon, il y a des tas de milieux que je ne vous fais pas. Le placement routage, ça parle de contraintes électriques et physiques, ce qu'on appelle la DRC, le Design Rule Verification, des choses comme ça. Et puis, mais ça, j'en parle pas. Les masques, ça parle d'impression, c'est de la photographie à gigantesque échelle, de pseudo-rectangle, d'optique non linéaire, de tas de choses invraisemblables. Et puis là, on parle d'un autre monde complet, de machines, de robots, de... Voilà. Alors, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, là-dedans? Eh bien, nous, on disait, il y a un endroit où il y a toujours des ennuis, c'est le passage de la micro-architecture au design logique. Parce qu'on passe de documents papier qui ne sont pas toujours super précis. Lisez l'aspect de USB. Et vous me direz si vous comprenez l'aspect d'USB en lisant la doc. Hein, ça, c'est pas fait. Hein. Et ce n'est pas toujours précis, mais c'est comme ça parce que c'est dur. Hein. Et les programmeurs font quelque chose. Mais est-ce que ces deux choses se correspondent? C'est souvent un problème.
Et donc, nous, on disait, on va améliorer beaucoup le lien à ce niveau-là avec le langage STL-V7 qui est capable de parler aux deux. C'est-à-dire qu'on essayait de remplacer le fait que les micro-architectes parlent, ou les architectes d'ailleurs, mais les micro-architectes surtout, parlent traitement de texte par parle formel. Le langage formel est le même que les designers. Et qu'on puisse aller tout au bout de la chaîne et tout synthétiser. Et donc ça, on y est arrivé techniquement, mais il ne suffit pas d'y arriver techniquement, il faut que ça rentre dans le flow. Ça, je vous le montrerai après. Alors, évidemment, le problème là, c'est que les bugs coûtent de plus en plus cher. Donc, un de nos arguments de vente, c'était que c'est beaucoup mieux de corriger les bugs là que là. Hein ? Alors, ben, la vérification, encore une fois, ça parle de tas de choses différentes. Les architectes, ils vérifient avec des expériences et des revues et des simulations, les fonctionnalités, etc. Les micro-architectures, ils vont vérifier les performances, le fonctionnement correct, avec des modèles abstraits. Après, les programmeurs, ils vont faire du test aléatoire dirigé, de la vérification formelle, pour notre cas, etc. Puis après, il y a toute une série de vérifications formelles, avec des systèmes SAT-SMP, pour ceux qui connaissent en particulier, surtout le back-end. Et puis après, les circuits, ça se vérifie avec des systèmes de scan. Tout ça, c'est horriblement cher et dur. Donc, on disait, ben, nous aussi, on va apporter en même temps que le design la vérification. Les deux vont être couplés très tôt. D'habitude, on fait le design et la vérification après. Là, c'est en même temps. Et comme ça, on va gagner beaucoup de temps, d'efforts et de sécurité. Voilà, ça, c'était notre idée. On va voir que ce n'est pas si simple. Alors, notre idée, c'était de dire, avec ça, on va fabriquer des circuits tout petits parce qu'on battait à peu près systématiquement les humains en taille et en vitesse. Régulièrement, ce n'est pas forcément des wagons, mais régulièrement. Des designs tout petits, c'est super, on va tuer les bugs tout de suite, mais on sait par ailleurs que tout ça, c'est compliqué, donc il ne faut pas avoir la tête dans le sable, ce qui est une tentation naturelle quand on mène la recherche, de s'intéresser qu'aux problèmes qui marchent et pas aux problèmes qui ne marchent pas. Et si ça marche, tout ça, ben, c'est le jackpot. Alors, bon, ça, c'est l'idée de départ. Pour la rendre vraie, vous allez voir que ce n'est pas facile. Alors, évidemment, déjà, il faut fabriquer un énorme environnement qui s'appelait STL Studio, et qui a été fabriqué à partir d'STL au centre comme langage, de la compilation qui allait soit vers des circuits, soit vers des simulateurs de circuits en logiciel, et on était vraiment les seuls à l'époque à garantir que ces deux choses-là étaient identiques. Dans pas mal de simulateurs, vous faites tourner une simulation et un circuit, ce n'est pas garanti du tout que ça fasse la même chose. Nous, on avait des arguments mathématiques pour dire que c'était vrai. Et puis, il y a plein de génies logiciels, et puis il y a plein de saisies de haut niveau, d'architecture, etc., donc saisies graphiques, de fabrique de documentation, et plein de vérifications, y compris de la vérification formelle. Et on avait un partenariat avec Prover Technology en Suède, qui faisait un très, très bon vérifieur. Et puis, par exemple, ça, c'était très intéressant. La vérification séquentielle, ça veut dire vous écrivez un programme, et les designs hardware, ce n'est pas forcément gros, mais c'est toujours compliqué. Vous écrivez votre programme, et puis à un moment, vous êtes content de ce qu'il fait. Vous pensez que ce qu'il fait est bon, mais qu'il est mal écrit. Ça, en logiciel, c'est un problème, parce qu'il faut le réécrire, sinon il ne vivra pas. Et là, on peut le réécrire, et avec le système de vérification, on peut vérifier automatiquement que les deux programmes font la même chose. Donc, on peut éventuellement l'amener à un état de lisibilité très bon, tout en garantissant que la fonctionnalité est la même que le programme mal écrit. Ça, c'est très précieux. Donc, c'est un énorme boulot, tout ça. Mais bon, on l'a fait. Mais voilà le problème. Le problème, il est là. Et ça, c'est tout chercheur qui va dans l'industrie, s'il n'a pas lu ce bouquin, c'est très dangereux. Bouquin qui s'appelle « Crossing the Chasm » de Jeffrey Moore. Et je vais vous expliquer une version simple de ce bouquin. C'est très détaillé dedans, avec beaucoup d'exemples. Une version simple. Voilà ce qu'il appelle le Technology Adoption Life Cycle. C'est pas qu'un life cycle, c'est le découpage de la communauté. Évidemment, le chapeau de gendarme, d'ailleurs, je n'ai jamais vu de gendarme avec un chapeau de gendarme, hein, mais le chapeau de gendarme ici est évidemment imagé. Mais en gros, il y a plusieurs segments dans l'industrie, et c'est vrai pour le reste du monde d'ailleurs. Et je vais donner des noms à ces segments qui ne sont pas forcément idéaux. Ce n'est pas les noms anglais. Les techies, ce n'est vraiment pas un nom anglais, mais c'est un nom qu'on donne en français. C'est des gens qui sont amoureux de la technique, proches de la recherche et tout, qui sont très bien. Les visionnaires, c'est plutôt early adopters en anglais. Je les appellerai visionnaires parce qu'ils ont un petit côté visionnaire. Les visionnaires, donc, qui sont, je vais vous les définir après, il n'y en a pas tellement. Les pragmatiques, il y en a beaucoup. Les conservateurs, c'est des pragmatiques plus pragmatiques que les pragmatiques. Il y en a plein. C'est dominant dans l'industrie, certainement. Et puis les traînards qu'on ne convaincra jamais. Donc, cette segmentation est fondamentale pour plein de raisons. Les techies, c'est une référence technique. C'est évident que c'est par eux, c'est en discutant avec eux qu'on rentre. On rentre au moment où on est tout jeune, c'est les gens qui s'intéressent à nous.
Les visionnaires sont des gens qui vont faire des projets industriels gonflés. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils font des choses gonflées et intéressantes. Les pragmatiques et les conservateurs, c'est le vrai marché. Et alors, quand on fait une société, évidemment, par rapport à la recherche, il y a un changement absolument massif, c'est que le salaire n'est plus magique. La sortie en salaire de la société est forcément strictement inférieure au bout d'un moment aux rentrées qui viennent des ventes. Donc, le salaire est issu de ce qu'on vend et pas de ce qu'on fait. C'est différent. Si on fait des trucs qui ne se vendent pas, ben, le salaire ne marche pas non plus. C'est évident, mais quand on le vit, ce n'est pas pareil. Alors, le problème est là, c'est qu'entre ces groupes, il y a des fossés. Il y a un petit fossé entre les visionnaires et les techies, encore qu'il existe. Il y a un gros fossé dur, c'est celui-là qui est dur, entre les visionnaires et les pragmatiques. Il y a un fossé faible entre les pragmatiques et les conservateurs. Et il y a un autre fossé pas très grave. Alors, pourquoi ce fossé est grave ? Eh bien, c'est parce que naturellement, quand on est chercheur, on se dirige vers les visionnaires. Et si on a tous les visionnaires, eh bien, on n'a pas de sous. On n'a pas de quoi faire une industrie. Donc, il faut passer ce fossé. Vous allez voir que ça, c'est intrinsèquement dur. Pourquoi ? Parce que les arguments qui convainquent les uns sont inefficaces ou contre-productifs pour convaincre les autres. Donc, vous arrivez avec vos arguments de chercheur, je sais, j'ai fait, hein. Vous arrivez avec vos arguments de chercheur, vous voyez quelqu'un qui parle la même langue que vous, vous le convainquez, bon, c'est très bien, vous avez un petit contrat parce qu'il n'a pas de sous. Et puis, les conservateurs, c'est pour eux, ça n'a aucune importance. On va voir pourquoi. Les techies, ils aiment bien la technique pour la technique, ils aiment bien la nouveauté et l'élégance, ils tolèrent les bugs et les trous initiaux. Ah, ça c'est bien, c'est des chercheurs dans l'industrie, c'est la même population en gros. Les visionnaires, ils ont des vrais projets, éventuellement industriels ou pré-industriels, ils aiment bien prendre des risques, ils aiment bien l'avantage compétitif, ils cherchent à faire des breakthroughs. C'est évident que Steve Jobs était un visionnaire, personne ne conteste ça. Ils écoutent certains techies, mais pas tous, hein. Ils sont très exigeants, mais on peut vivre avec. Les pragmatiques, ils n'aiment pas le risque et ils cherchent uniquement des solutions qui sont confirmées par les autres pragmatiques. Donc là, on a un problème de bootstrap, là, hein, de poulet d'œuf. C'est pour convaincre un pragmatique, la seule solution, c'est d'en avoir convaincu d'autres avant. Et si on ne comprend pas ça, alors là, il vaut mieux pas aller dans l'industrie, hein. Donc la cible numéro un, c'est ça. Et on a un problème, on est coincé en sandwich entre deux mondes. Les techies qui pensent que les pragmatiques sont ignares et les pragmatiques qui pensent que les techies sont des piques-assiettes. Et ça, je peux vous assurer que c'est indépendant de la société. Hein, là, je tranche un peu, mais en gros, quand vous simplifiez, ça finit toujours comme ça. Donc, ce n'est pas une position facile, hein, parce que convaincre les visionnaires, on va peut-être savoir faire, mais ils n'ont pas assez de sous pour faire vivre une industrie. Convaincre les pragmatiques, c'est embêtant, parce que si on est soutenu par les techies, ça peut être négatif. Pas forcément, mais il faut jouer fin. Bon. Alors attention, ce n'est pas un jugement de valeur, tout ça. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Chacun a toutes les positions. Moi, par exemple, je suis techie en photo, il n'y a pas de doute. J'espère être un peu visionnaire en programmation, c'est censé être mon métier. Je suis pragmatique en ordinateur, conservateur pour les transparences, ça fait 10 ans que je l'ai fait pareil, et complètement traînard pour programmer avec des threads. Bon. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein. C'est juste je parle d'un métier précis, d'un sujet précis. Je ne parle pas du caractère des gens dans la vie en général. Alors, la taille des marchés, il faut comprendre. Il y a plus de visionnaires que de techies, il y a beaucoup plus de pragmatiques que de visionnaires. Et en dessous, ce qui est finalement la seule chose qui compte pour une industrie, au bout d'un moment, eh bien, il y a beaucoup plus de les visionnaires ont beaucoup plus de sous que les techies, qui ont beaucoup moins de sous que les pragmatiques. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc comment passer ce fossé ? Tout le bouquin est là-dessus et la vie aussi. Hein, il y en a qui se marrent dans la salle parce qu'ils ont connu. Alors comment est-ce qu'on convainc les techies ? Alors convaincre un techie, ce n'est pas très dur parce qu'il va au même congrès que vous et aux mêmes sessions. Ils sont prêts à essayer, ils aiment bien les qualités, j'ai déjà dit. Du moment que ça a une dérivée positive quand même, hein, ils sont quand même dans l'industrie. Ils sont tout à fait prêts à coécrire des papiers, même à se faire embaucher chez vous. Ça nous est arrivé, heureusement, en général, ils sont très bons, donc ça marche très bien. Voilà quelques techies qui étaient plutôt techies pragmatiques, hein. Je n'ai pas mentionné Satnam Singh, c'est une erreur, je le rajouterai, Satnam Singh chez Xilinx, qui a fait beaucoup. Mais voilà quelques. Il y en avait pas mal à côté, à Texas Instruments. Mais je les qualifie peut-être un peu bas en disant techie, ils sont les deux. Hein. J'en vois qui sont un peu d'accord avec ce que je dis là. Hein. Mais c'est pour simplifier, il faut toujours simplifier pour traiter les problèmes.
Il y en avait d'autres, j'ai oublié Satnam Singh que j'ajouterai. Bon, ce qui est très important, c'est que de causer aux techies qui sont reconnus en interne, hein, parce que si vous causez aux techies qui ne sont pas reconnus en interne, ça, on a fait aussi, très très mauvaise idée, hein, parce que là, plus vous êtes copains avec eux, moins vous êtes copains avec, avec les gens qui ont des sous. Convaincre les visionnaires, là c'est différent, ils vont au même congrès que vous, mais ils ne vont pas aux mêmes sessions. Ils vont beaucoup sur les sessions, sur les trends de l'industrie, des choses comme ça. Et là, la bonne méthode, c'est le projet coopératif. Faire un projet. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'il faut que le projet soit financé. Faire des projets gratuits égale toxique total. Ça, c'est un truc que les chercheurs ne comprennent pas trop au début. Moi, je ne comprenais pas beaucoup. Et puis, il faut des consultants. Il y en a dans la salle. Il faut des consultants dédiés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser les gens bosser tout seuls. Sinon, ils font exactement la même chose qu'avant, dans le nouveau langage, par exemple, et ils trouvent que le langage est moins bien que ce qu'ils faisaient avant. C'est évident, c'est mathématique, c'est déterministe, et donc vous êtes sûr de vous faire virer. Ça nous est arrivé. Alors, voilà, par exemple, il y en a eu chez, où on est passé à des projets de pré-production ou de production, chez Texas Instruments, chez STMicro, où, par exemple, STMicro, des vraiment visionnaires ont décidé, Carlo Pistrito, que je salue, qui ne verra pas ça parce qu'il ne parle pas français, a décidé de faire le STBus, c'est-à-dire le réseau des chips ST, sur STRL. Donc, il y avait une grosse prise de risque. Bon. Le projet d'évaluation, c'est un moment absolument crucial. Parce que c'est là qu'on décide de continuer ou pas, en gros. Hein. Donc, principe, faire que des évaluations payantes, obligatoirement suivies par un consultant dédié. Abar Bouali, qui était avec moi à l'INRIA et qui est parti avec moi chez STRL Technologies, avec Xavier Forenari, connaît bien ça parce qu'il s'est occupé de ce problème, en particulier. Alors, si ça marche, si l'agent est d'accord, on se met au boulot. Et la deuxième chose la plus fondamentale, c'est de définir avant, et ça, dans la recherche, on n'est pas du tout habitué, c'est de définir avant les critères de succès, pas après. Parce que si on les définit après, il y en a un qui dit que c'est bon et l'autre qui dit que c'est pas bon. Si on a les critères très bien définis avant, eh bien, on sait où on va. Et on finit pas fâché, même si on échoue. On a échoué. Sinon, ben, il y en a un qui pense A, l'autre qui pense non A, et on finit fâché, ce qui n'est jamais très bon, hein, quand on est fournisseur. Alors, normalement, si ce n'est pas gratuit, si on nous demande de le faire absolument gratuit, eh ben, ça devrait être un refus. Bon, la réalité, ce n'est pas ça, parce que quand c'est le leader, par exemple, de l'industrie mondiale qui vous dit c'est comme ça ou pas autrement, on ne peut pas tellement l'envoyer balader. Donc, on essaye de faire ça, mais de notre expérience, ça n'a à peu près jamais marché. C'est assez déterministe, et c'est connu dans l'industrie, et ce n'est pas que nous. Et ça, c'est assez surprenant, des fois. Hein. Convaincre les conservateurs. Alors là, on rentre dans le dur. Donc, les conservateurs, c'est très simple. On peut leur vendre que des médicaments à condition qu'ils se sachent malades. On ne leur vend jamais autre chose. Parce que, par exemple, la prévention, vous dites, si vous faites ça, vous aurez moins d'ennuis. Donc, c'est essayer de leur vendre ce que j'appellerais le manque à perdre, hein, contrairement au manque à gagner. Et vous allez voir que ça ne marche pas sur vous non plus. Hein. Donc, on peut leur vendre des trucs contre le mal de tête, des trucs contre sur la digestion. Ça, je ne me rappelle plus ce que c'est comme molécule, mais c'est un truc qui est important. Pas si ce n'est pas de la pénicilline ou un machin comme ça. Et par contre, on ne leur vend jamais arrêter de fumer. Comme aux chercheurs, d'ailleurs. Et ça, ça ne marche pas. Et donc, c'est un problème, parce que nous, on essayait de fabriquer des solutions qui disaient aux gens, vous aurez moins d'ennuis. Ce qui est vrai, ça s'est prouvé vrai, mais c'est très difficile à vendre aux conservateurs, tant qu'il n'y a pas d'autres conservateurs qui ont acheté. Alors, il y a un cas spécial, c'est un plantage industriel majeur. Par exemple, pour le bug du Pentium qui faisait des divisions fausses, là, Intel a tout de suite fabriqué un labo d'ampleur sur ce sujet. Ils sont arrivés à prouver tout ça et à résoudre le problème. Donc, ça leur a coûté 470 millions de dollars le premier bug. C'est beaucoup moins cher qu'un labo. C'était la même chose au Bell Labs quand le téléphone américain s'est explosé pendant 10 heures de suite à cause d'une parenthèse mal placée dans un bout de code. Ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on arrête de mal placer des parenthèses dans les bouts de code. Bon, alors, qu'est-ce qu'on convainc les conservateurs ? Alors là, voilà quelque chose qui est difficile. Il y a en gros trois cas. Premier cas, c'est que le client ne veut pas savoir qu'il est malade. Donc, il vous dit, on n'a pas le problème. Si on l'a, notre méthode pour s'en sortir est assez bonne. Et puis, on a des moyens de tourner autour du problème. Ça, c'est la façon standard de faire. Donc, si on vous dit ça, ce n'est pas la peine d'insister. Il ne faut absolument pas insister. Alors, j'ai marqué en anglais, c'est toujours en anglais, discussion. Il ne faut jamais dépenser de l'énergie dans /dev/nul. Chose que j'ai vu les chercheurs faire, mais alors avec une régularité totale. Passer du temps à convaincre quelqu'un parce qu'il devrait être convaincu. Mais il ne le sera jamais, puis lui, il a le temps de discuter souvent, donc ça va. Deuxièmement, le client ne se sort pas d'un problème urgent. Ça nous est arrivé plusieurs fois.
du genre, on ne peut pas sortir le téléphone, on ne peut pas sortir le PC, on a besoin de vous, on ne sait plus faire. Et là, nous, on sait qu'on saurait faire, mais pas dans les temps. Ça nous est arrivé sur des problèmes de mémoire, par exemple, dans une très grande société américaine, où ils n'arrivaient pas à faire marcher leur mémoire pour des raisons de multi-horloge dont je parlerai bientôt. Et c'était super, bah, je savais très très bien qu'on saurait faire, mais pas en deux semaines. Et donc, ça ne marchait pas. Et puis, bon, alors là, on accepte une réunion technique. Donc, on va voir, après être copain avec les visionnaires, on va voir les conservateurs. Alors là, c'est assez rigolo. Donc, on a un conservateur ici. Ce sont des gens très forts, hein, faut pas se leurrer, c'est comme ça. Et ils ont raison d'être conservateurs, vu leur industrie. Et nous, on arrive par pair. On arrive un commercial. Enfin, moi, j'étais avec un commercial, Jean-François Badgioni, je ne sais pas s'il regardera ça un jour, et qui est devenu sculpteur, très bon sculpteur. Et moi-même. Alors vous voyez, c'est la seule fois sur un cours du Collège de France que je ne mets pas de cravate, parce que si j'arrive avec une cravate, personne ne pourra croire que je suis directeur scientifique. Hein, directeur scientifique, il ne faut pas que ça ait de cravate, sinon on le prend pour un vendeur et ça fait louche. Donc j'arrive comme ça. Et première question, et alors là, c'est que des questions dont je n'avais jamais entendu parler avant, hein, mais ce sont les questions. Première question, quel est votre positionnement, quelle est votre proposition de valeur ? Bon, alors au début, on s'était un peu entraîné quand même, mais au début, ce n'est pas très simple à répondre, donc vous vous blattez, vous allez mettre plus de temps à designer, mais la vérification ira plus vite, le time to market sera meilleur, tagada. STRL est bien meilleur que VHDL Verilog, ce qui est vrai d'ailleurs, vous ferez moins de bugs et tout. Puis là, vous voyez en face un certain scepticisme, ce n'est pas tout à fait le langage voulu. Bon, alors deuxième question, votre produit, ça coûte cher, quel est mon ROI ? Et comment est-ce que vous le quantifiez ? Alors ça, c'est une question absolument clé. ROI, ça veut dire Return on Investment. Je vais payer beaucoup, expliquez-moi ce que je vais gagner. D'accord ? Ça, ce n'est pas simple. Et c'est sûr qu'en tant que chercheur, on n'est pas très entraîné. Mais c'est une question absolument centrale. Sinon, pourquoi est-ce qu'il achèterait un outil pour perdre de l'argent ? C'est quand même de l'industrie. Question suivante, quelle est votre part de marché ? Alors, comment est-ce que vous êtes solide ? Alors là, il y a un truc très, très, très subtil. Si vous dites notre part de marché, ben, elle n'est pas encore très établie, mais de toute façon, on n'a pas de concurrent. Alors, si vous dites on n'a pas de concurrent, la perception instantanée, c'est donc que le sujet n'existe pas. Parce que si le sujet existait, vous auriez forcément des concurrents. Donc, ne pas avoir de concurrent, c'est en aucun cas un argument positif avec des pragmatiques. Avec des visionnaires, c'est différent. Mais ne pas avoir de concurrent, c'est étonnant. Surtout, ils n'aiment pas dépendre d'un fournisseur unique. D'accord ? Donc, ça, ce n'est pas très facile. Alors, quelque chose à laquelle on savait répondre, parce qu'on s'est organisé pour, quel est votre training ? Comment est-ce que vous formez les gens ? Et comment est-ce que vous faites votre maintenance ? Alors là, on disait, on a des consultants, on a des... La R&D fixe les bugs très, très vite, ce qui était parfaitement vrai, je pense. Une question beaucoup plus dure, c'est comment je fais pour embaucher des gens déjà formés ? Ce n'est pas leur boulot de former des gens à une technologie. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent des gens qui soient opérationnels. Donc, on disait, alors, on a une licence académique libre. Tous les instituts de recherche et d'enseignement ont le droit d'utiliser des softs complets pour 0 francs, 0 centimes, à condition de ne pas faire de commerce avec. Il y a 120 universités internationales qui ont des licences, ce qui était vrai. Mais bon, ils avaient qu'à vérifier un peu. Le nombre de gens formés n'était quand même pas très considérable. Et la dernière question, c'est est-ce que vous pouvez... Can you summarize your value proposition? Ça, c'est une vraie question. Quelle est votre proposition de valeur? Quelle va être la valeur pour nous de ce changement? Alors ça, bon, moi, je me tais en général parce que je prends des coups de coude dans ce cas-là. Et voilà. Alors, quelle est l'interprétation qu'il faut avoir de toutes ces questions? Elle est très simple. Elle est très simple. Et c'est exactement la même que vous quand vous allez acheter une télé. En quoi pouvez-vous m'aider à résoudre mes problèmes? C'est ça qu'il dit. Et tous les mots sont importants. En quoi? C'est des faits. Je ne veux pas du baratin, je veux des faits. C'est ça, la pragmatique, la définition du pragmatique. M'aider, ça doit être votre seul objectif, le reste, je m'en fiche. C'est m'aider qui compte, d'accord ? À résoudre mes problèmes et pas les vôtres. Et pas les vôtres. Et ça, c'est sûr que quand on est chercheur, quand on va voir quelqu'un, en général, c'est pour qu'il résolve nos problèmes dessous. Ben, ça ne marche pas comme ça, avec les pragmatiques. Ça peut marcher avec les visionnaires, parce que c'est un monde un peu différent. Mais donc, tant qu'on n'a pas compris ces questions, il ne faut pas aller voir des pragmatiques, et quand on les a compris, même, bon... Et ça ne veut pas dire que ces gens sont... Je vous dis, vous faites pareil. Si vous regardez, vous faites forcément pareil dans d'autres domaines. Bon.
Donc il faut construire la confiance à travers les évaluations qui marchent, la confiance dans la structure, les réunions clients, les gens où les clients s'exposent, les réunions où les clients s'exposent mutuellement leurs succès et leurs échecs. Voilà. Et puis la question qui fâche vraiment, c'est « Why a new language ?» Alors ça a été une question torride. Quand on a fait la syntaxe d'Esterel, on a choisi une syntaxe de type ADA, 1982. La syntaxe Pascal était connue pas très bien, et la syntaxe ADA avait beaucoup de mérite, les parenthèses étaient fermées. Moi, je suis très content d'avoir choisi ça, mais après, c'était trop tard, puisque c'était déjà sur le marché, après, c'est la syntaxe C qui a gagné. Alors, syntaxe C est une notion très, très floue. Vous avez la syntaxe C quand vous avez des crochets qui piquent. C'est assez simple. Et quand vous écrivez while 1 au lieu de loop, ça suffit. Hein, vous lisez par exemple le livre de base sur Verilog, il vous dit Verilog c'est exactement comme C, la preuve, deux points, module toto, crochet ouvrant, donc c'est C, input A, input B, output C, vous avez déjà vu ça dans C, non mais c'est C parce que ça pique des crochets et que les points-virgules sont foutus comme ça. Donc il y a un langage qui a été fait à cadence par Luciano Avagno et Len Sentovic en 99 qui était SRLC. On a résisté beaucoup parce que quand on fait ça, les gens disent bah, tant qu'à faire, mettez-nous donc tout C. Mais là, on ne peut pas, parce que nous, on n'a pas le droit de partager, on n'a pas le droit... On ne peut juste pas faire ça sans détruire tout. Donc, on se retrouvait coincé entre deux feux. Mais alors, en Asie, où on parle mauvais anglais et C, aux États-Unis, on parle anglais, ben, c'est les mêmes qu'en Asie, de toute façon, les gens, c'est à peu près des Asiatiques, eh ben, ils ne veulent pas parler comme ça. Et donc, ça a été un gros problème. Alors, le graphique aide un peu, mais pas à 100%. Contact avec la recherche. Alors là... Bon, on est parti avec un certain nombre de chercheurs déjà, mais contact avec la recherche, ben, je me suis retrouvé dans le rôle du pragmatique, où de temps en temps, des gens venaient me voir en disant « j'ai un truc qui peut t'intéresser ». Et moi, je me disais « mais ils ne me posent même pas la question de ce qui pourrait m'intéresser ». D'accord ? Et ça, ben ouais, donc très souvent, les gens sont venus présenter des trucs qui étaient tout à fait intéressants pour eux, mais pas pour moi. Et c'est pas facile, ça, des deux côtés, c'est pas facile. Mais c'est comme ça, c'est assez normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils faisaient n'était pas intéressant, hein. C'est juste que ce n'était pas dans nos préoccupations. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, 2001-2004, on a bossé avec les techies, c'est très, très utile. Hein, parce que là, c'est avec eux qu'on peut définir le langage, c'est avec eux qu'on peut faire des recherches très importantes, parce que c'est dur, tout ça. Hein. C'est beaucoup plus dur que de le faire dans la recherche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on a fait l'outillage, on a fait des expérimentations qui ont plutôt pas mal marché pour certaines, moins bien pour d'autres, normal. 2004-2006, on a commencé à vraiment dealer avec les visionnaires, à passer au multi-horloge, à faire des expérimentations beaucoup plus lourdes, en R&D, mais aussi en pré-production. Ensuite, on est passé en production chez les pragmatiques dans quelques endroits, mais dont Texas Instruments Villeneuve-Loubet, avec un contrat majeur au niveau licence avec des projets. Sylvie Granier, qui est consultante chez nous, qui est là, on a participé à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a fait aussi... On a fait un chemin pragmatique très important qui est de commencer une standardisation I3E du langage avec des labos et des industriels à travers le monde. Et ça, c'était très intéressant, mais ça ne sortira probablement pas pour des raisons stupides. Enfin, le standard n'a plus de raison d'exister, mais au moins le document qui était quasiment fini, je ne suis pas sûr de pouvoir le sortir un jour. Établissement de coopération avec d'autres fournisseurs, des gens qui faisaient de la simulation de haut niveau, Symfora qui faisait de la compilation directe de C en circuit, et par exemple, chez Texas Instruments, a été fait une télévision haute définition, dont l'aspect rendu d'image était fait en C, compilé directement en circuit, et toute la gestion mémoire, qui est bien plus compliquée que les rendus d'image, et plus gros, était fait en Esterel. Il n'y avait pas un seul code manuel dans le système, et c'était très bien. Donc, c'était un joli succès. Mais en 2009, on s'est pris la crise bancaire, en grand, qui fait que nos clients ont soit arrêté, soit fusionné, par exemple. Bon, je ne vous fais pas toute l'histoire. C'était assez onirique. Le jour de notre réunion client, certains de la salle étaient chez nous. On était au casino du Jean-Lépin, c'était assez drôle. Le matin de notre réunion client, où les clients s'étaient réunis pour dire combien ça marchait bien, le matin, avant la réunion, on savait qu'on était mort. C'était assez sympa. Bon, mais ce n'est pas fini, parce que bon, la partie matérielle, je pense que c'était super ce qu'on faisait, mais c'est mon opinion, elle est morte là. Mais par contre, la partie scale dont je vais parler maintenant, la partie logicielle, elle, a très très bien marché. Alors, la partie logicielle, j'ai déjà présenté la dernière fois le langage lustre. Donc là, ce n'est pas pour faire des circuits, mais c'était pour faire du contrôle continu, des avions, des trains, des choses comme ça.
Donc, tant que contrôle continu, tant plus il y a de vent qui vient de la gauche, tant plus je tourne à gauche. Hein, c'est ma vision de l'automatique racontée aux enfants. Mais c'est dur, là, le contrôle continu. Juliette Leblond, on a parlé la semaine dernière. Et donc, là, c'était une histoire, et très intéressant de voir la différence et pourquoi cette histoire a marché. Cette histoire a marché parce qu'elle avait un ouvre-boîte, dit Éric Bontagnier, et cette notion est très importante. Alors, Paul Caspi, d'abord, qui était chargé de recherche au CNRS, automaticien, a établi tout de suite un dialogue avec des pragmatiques, sur des problèmes pragmatiques, ce que nous n'avions pas fait. Il a passé beaucoup de temps avec les ingénieurs d'Airbus, les ingénieurs de Berlin-Gerin, qui faisaient la sécurité des centrales nucléaires, et aussi beaucoup de temps avec les informaticiens, qui étaient dans le même bureau, Nicolas Alvax en particulier. Et donc, voilà, Paul Caspi et Daniel Pilot, dont je parlerai après. Paul Caspi est malheureusement décédé il y a très peu de temps. Et alors voilà, grosse différence. Les problèmes, méthodes et contraintes étaient différentes. C'est du contrôle continu, c'est très différent de ce qu'on faisait en STRL. Et il était connu dans l'industrie que les langages classiques du genre C ne marchaient pas. Les gens s'en servaient déjà pas. Donc les pragmatiques avaient déjà fait un chemin considérable vers ça. Et ils utilisaient des diagrammes de blocs graphiques ou des simulations, des systèmes de simulation genre Simulink. Bon, très bien, mais... Et puis il y avait des exigences de sécurité qui étaient primordiales. Quand vous faites un train... Le time to market, gagner un mois, c'est pas très important, mais faire des bugs, c'est moins bien. Donc ça, c'était très important. Et ce qui faisait en particulier une certification obligatoire, dont je reparlerai après, par des normes mondiales, comme la DO-178B en avionique. Il n'y a pas de normes comme ça de ce niveau-là en nucléaire, par exemple, ce qui est assez étonnant. Mais c'est comme ça. Et puis, il y a des normes en ferroviaire, mais celle-là est vraiment la plus élaborée. Et la plus stricte. Il fallait que les logiciels soient certifiés au même titre que les ailes, les réacteurs, les pneus, tout l'avion. Et donc ça, ben, c'est une contrainte très forte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les industriels, à cette époque-là, dans les années 85, 90, 95, développaient leurs propres outils. Et donc, par exemple, Merlin-Gerin développait un outil, Airbus développait un outil, Sextant développait un outil, et puis ils trouvaient ça trop coûteux, c'est pas leur métier de développer des outils. Donc ils ont voulu mutualiser les outils. Et donc Paul Caspi a proposé Lustre, enfin, et l'équipe ont proposé Lustre, qui était quelque chose de très beau mathématiquement, très beau informatiquement, très simple, peu de primitives, beaucoup moins que les autres langages, essentiellement 5 au lieu de autant qu'on veut, textuel ou graphique, une sémantique mathématique très très claire, j'en ai parlé, des réseaux de cannes synchrones. Des bibliothèques entièrement développées dans le langage lui-même, donc traitées par le même compilateur, au lieu d'avoir des bibliothèques écrites à la main qui s'empilent. Donc c'était bien mieux. Une compilation très simple qui a donné un compilateur certifiable avionique. Ça a été critique. Et pourquoi c'est critique? Parce que, par exemple, on prend Eurocopter. Ça, c'est des chiffres Eurocopter. Avant, il faisait une modification dans le code. Enfin, bon, un hélicoptère, c'est comme un avion. C'est un ordinateur avec des ailes et des réacteurs. Hein. Enfin, pas les... des pales et un pilote automatique d'hélicoptère, c'est pas rien. Donc, à chaque fois qu'ils font une modif, ils doivent la recertifier. Et le temps de recertification, eh bien, il fallait recertifier le code qui tournait, le code C, qui est très loin de la spécification, tandis que là, il suffisait de recertifier la spécification parce que le compilateur lui-même était certifié. Donc, le temps de certification passait du genre 15 jours, 48 heures. Ça, c'est massif. Donc, la proposition de valeur, elle est là. Elle a été là. Et puis en fait c'était plus simple, donc par exemple même les endroits pas certifiés ont commencé à faire du skate parce qu'ils s'aperçoivent que les projets convergeaient mieux. Mais par contre, tout ça je le tiens de Daniel Pilot qui a été clé dans l'industrialisation, le fait que ça ait une sémantique mathématique, que ce soit très simple et tout, ils s'en fichaient royalement. C'est moins vrai maintenant. Mais surtout, il n'y avait pas besoin de changer les habitudes. Ils faisaient la même chose qu'avant, mais en beaucoup mieux, mais en faisant la même chose qu'avant. Donc, c'est très souvent ce que les gens demandent, c'est « je veux faire la même chose qu'avant, en beaucoup mieux ». C'est rare de pouvoir faire ça. Hein. Alors, je vous rappelle simplement ce que c'est que Lustre pour les gens qui ne l'ont pas vu. Vous avez un flot d'événements qui arrivent, un par un, en temps réel. Vous voulez simplement compter le nombre de vrais qui vous est arrivé, compteur d'événements, et ça vous donne ça. Mathématiquement, vous écrivez cette formule, mais cette formule est mathématique, mais elle n'est pas bien typée, elle est loin d'un programme parce que, par exemple, bon, c'est très bien, elle est juste, mais d'abord, la variable t, ça ne sert à rien. Et ensuite, là, on a t moins 1, mais si on écrit t plus 1, mathématiquement, il n'y a pas de problème, mais informatiquement, c'est assez difficile de prédire la valeur qui arrivera après, donc ça n'a pas de sens. Donc, Lustre, suivant les idées de Gilles Kahn,
c'était de dire je vais faire des équations à ces flux infinis. Les variables sont des flux infinis, il n'y a plus de temps, on enlève le temps, on a déjà parlé la dernière fois. Et puis, le count, c'est la solution de cette équation aux séquences infinies. Il n'y a qu'une solution, ça se démontre assez facilement, et voilà. Et puis surtout, il y a le bloc diagramme correspondant dans la syntaxe habituelle des ingénieurs. Il y a plus que ça, que je n'ai pas montré la dernière fois. On peut sous-échantillonner, par exemple, de dire j'ai une horloge, qui est un booléen qui me dit quand l'horloge est présente, et je peux sous-échantillonner en extrayant les valeurs de ma suite initiale au moment où l'horloge est présente. Je peux calculer le près de ça qui est à l'horloge du sous-échantillonnage. Par contre, je peux ramener ça à l'horloge supérieure avec un autre opérateur. Et puis, je ne peux ajouter des suites, par exemple, ajouter pour des suites entières, que si elles ont la même horloge. Donc là, il y a un type checker malin qui fait ça, donc c'est plus subtil que ce que j'ai dit. Bon, il y a eu beaucoup de recherches sur Lustre qui continuent sur la compilation, donc ça, c'est la recherche au labo. Mais ce labo, c'est un labo commun, ça a été longtemps, un labo commun recherche-industrie. Ce qu'on n'a pas fait, nous, on avait projeté de le faire, mais on n'a pas pu pour des tas de raisons. Donc, compilation efficace, traitement des tableaux pour le hardware, vérification formelle, génération de tests, distribution physique, j'en parlerai dans les autres cours, compilation des automates avec un papier magnifique de Pascal Raymond sur comment compiler très très bien des automates. Et puis, ça, c'est très important. On peut calculer le temps que va mettre effectivement à s'exécuter un programme à s'exécuter sur un microprocesseur. Par exemple, Airbus le fait avec des techniques d'interprétation abstraite super sophistiquées où on calcule l'interprétation abstraite des caches, des pipelines, etc. Et ça, c'est très important. En Airbus, il faut que ça vole à 100 Hz. Et si le temps sont complètement fluctuants et imprévisibles, c'est pas bon. Alors, ça a commencé comment l'industrialisation de SCADE ? Ben, d'abord, Ils ont d'abord, Éric Pilot et Jean-Louis Bergeron ont migré de l'équipe de recherche dans Schneider Electric, enfin ça s'appelait Merlin-Gerin. Ils ont développé un système Saga pour le nucléaire. Ensuite, Verilog, je l'ai dit, la compagnie Verilog, pas le langage, a repris Saga. Ils sont entrés en contact aérospatial. Ils ont décidé de faire Saga SAO, de faire SCADE. Parce que SAO, c'était quelque chose qu'ils avaient chez... Et dans un Airbus, vous avez la moitié des trucs qui sont... Dans un A380, par exemple, vous avez deux chaînes dissymétriques logicielles, une en SAO et une en SCADE. Et ils ont fait les développements pour la première fois un avion entier, enfin, l'A340-600, le pilotage, puis dans l'A380, beaucoup, on va le voir. Et ensuite, ils ont grandi leur clientèle, mais pas beaucoup, et pas beaucoup à l'étranger. Mais bon, c'était bien. Puis ils ont été rachetés par Télélogique. Et puis Télélogique a pris la crise des télécoms en 2001 à travers la tête. Bon. Alors, c'est quoi la certification, d'ailleurs ? Ben, c'est le processus de développement qui est certifié, ce n'est pas le programme. Hein. Le but, c'est de détecter et de rapporter des erreurs. Aucune technique n'est préconisée. On peut faire ce qu'on veut, à condition que ce soit bien fait. Il y a des revues, la traçabilité. Et quelque chose d'essentiel, c'est la vérification de la vérification. C'est-à-dire que la vérification est vérifiée indépendamment. Donc, vous avez un expert qui peut vous renseigner, c'est Amar Boili, qui est STL Technologique, un expert de ça, mais il y en a d'autres aussi. Alors, ça a quand même marché, parce que dans la 380, une très grande quantité du code est faite en Lustre, en SCADE, et pas en C. Pas faite à la main, générée automatiquement. C'est une grande majorité du code. Par exemple, les contrôles de vol, c'est des centaines de milliers de lignes de code à la fin. Le contrôle moteur, qui est pas si plus simple, le freinage de la direction. Freiner un A380, c'est pas pour les débutants. Hein. C'est assez lourd, cet objet. Et tout un tas de choses. En parallèle, Thomson faisait des IHM certifiés. Un cockpit d'avion, ça ne se fait pas avec des techniques web encore. Hein. C'est vraiment sérieux, le cockpit d'un avion. Et on ne peut pas faire des machins best effort. Il faut faire des choses qui sont certifiées déterministes. Et donc, Thomson avait fait un système, tous les écrans d'Airbus ont été faits avec ça, un système donc certifié de graphique et de commandes d'interface homme-machine, y compris l'ergonomie certifié. Et donc, en 2003, chute des télécoms, SCADE à vendre, nous on était censé être concurrents de SCADE, mais en fait on n'avait aucune chance en logiciel par rapport à eux parce qu'eux avaient les pragmatiques et pas nous. Donc on a décidé de les racheter chez STL Technologies et de partir à la conquête de nouveaux marchés, ce qui est fait maintenant. Il y a beaucoup de clients, il y a plus de 250 clients, et dans les trains, les métros, le spatial, l'industrie lourde, partout où il y a besoin de certification ou de très grande sécurité, à travers le monde, que ce soit en Chine, en Amérique du Sud, etc. En automobile, très intéressant, on a essayé beaucoup, c'était une cible naturelle pour ça. Ben non, il n'y a pas de certification, c'est encore dominé par les coûts, il y a encore une tolérance aux bugs qui n'est pas du tout la même que dans les avions, etc. Donc, ça, on n'a jamais réussi.
Mais surtout, il y a eu le développement d'une nouvelle génération, et avec une bonne nouvelle pour les chercheurs et l'INRIA. SRL V7 pour le hardware déjà faisait la fusion d'SRL et de lustre. Skate6 le fait aussi sous une autre forme pour le logiciel. Donc fusion complète entre les blocs diagrammes que j'ai montrés et les automates hiérarchiques, en reprenant les 5 chartes les mêmes que pour SRL, en gros, hein, ce n'est pas tout à fait si simple, avec des tableaux. Et couplage avec des tableaux d'outils, comme en particulier le display, parce que ça fournissait un flow. Ça fournissait pas seulement un outil, ça fournissait un flow, c'est-à-dire dans les écrans, dans le cockpit de l'avion, par exemple, l'A350 est fait avec ça, vous avez les écrans qui sont faits par un outil certifié et le code qui drive ces écrans qui est fait par un autre outil certifié et avec une certification du couplage entre ces deux outils. Ça fournit un flow, c'est ça qui est important. Un outil, c'est pas important, c'est un flow. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait eu un prototype fait par Jean-Louis Colasso et Bruno Pagano, qui avait passé pas mal de temps chez Xavier Leroy à l'INRIA, et ils avaient codé un prototype en OCaml, et en fait, il a été décidé, après beaucoup d'hésitations, de faire le vrai système industriel en OCaml. Et on se disait, comment un truc comme ça va être certifié par les Américains, et on a eu des bénédictions des Américains pour faire comme ça. Surtout d'un Américain très influent. Des Américains, ils sont beaucoup, d'un Américain très influent, à la Federal Aviation Agency. Et en fait, faire le compilateur en OCaml, alors c'est un peu compliqué. Par exemple, il y en a deux versions. Il y a une version, un garbage collector, un ramasse-miettes, le normal, le OCaml, mais pour la génération de codes certifiés, on utilise un qui est beaucoup moins efficace, mais beaucoup plus simple à vérifier. Ils en utilisent un, j'y suis plus. Alors tout ça, c'est évidemment dans un atelier, hein, comme on disait, c'est vrai pour tous les outils. Donc vous avez la saisie de programme, le debugging, la simulation, la vérification formelle, l'étude de couverture des tests, la vérification du code généré, le compilateur, etc. Et puis même chose pour les écrans. Et puis voilà, et puis tout ça, c'est dans un énorme système de traçabilité, parce que l'essence de la vérification, c'est que toute chose qui apparaît dans le code généré puisse être tracée dans le code source, réciproquement. Donc ça, c'est très important et c'est dur. Donc voilà le langage. Le langage, pour ceux que ça intéresse, a été présenté dans un séminaire de mon cours de cette année. C'est un design qui a été fait aussi en partenariat avec la recherche, avec Pascal Raymond en particulier, chez Verimag. Bon, donc ça, j'en parle pas trop. Je vous avais montré la montre digitale qui a été le premier vrai programme SRL en 1987. La voilà en Skate 6, la même. Ça n'a pas du tout la même tête. Alors, il y a des ingénieurs à qui ça plaît, il y a d'autres à qui ça plaît pas, c'est la vie, hein. Et puis voilà, et des interfaces machines. Donc maintenant, il se pose toujours des grandes questions. Le sujet est loin d'être mort. Il y en a une qui est en train de se faire en grand, c'est la liaison avec les outils architecturaux. Pour ceux qui connaissent, on a beaucoup parlé de UML. UML, c'est une notion super vague, mais il y a des notions un peu concrètes dans UML. Il y en a une qui s'appelle dans la galaxie UML, il y en a une qui s'appelle SysML, qui est maintenant utilisée en grand par l'industrie. Il faut vraiment se coupler avec ça. Ce qui est fait. Liaison avec la vérification formelle. Alors, il y a des choses qu'on peut faire facilement, puis d'autres pas. Par exemple, quand il y a du flottant, la vérification formelle, c'est beaucoup plus dur. Et malheureusement, il y a beaucoup de flottant. Malheureusement, non, c'est pas malheureusement. Génération de code multiprocesseur multicœur, ça va devenir difficile de trouver des machines monocœur. Et les machines multicœur, c'est pas de la tarte. Intégration dans les grands systèmes plus asynchrones. Un avion, ça commence à être un objet compliqué. Alors là, je vais avoir un cours là-dessus bientôt, en mars, il y aura un cours sur qu'est-ce qu'on fait quand les objets sont gros. Et puis quelque chose de très important, qui est la simulation à l'objet final, c'est-à-dire que de plus en plus, les industriels veulent certifier le plus possible les objets qu'ils fabriquent en simulation. Avant le vol, avant l'implantation pour un pacemaker, etc., certifier dans la simulation le plus tôt possible. Ce n'est pas fait, parce que ça pose des tas d'obstacles, mais c'est vraiment très important. Et c'est pour ça, en particulier, que SRL Technologies a été rachetée par une société américaine, ANSYS, de simulation. Bien. Donc, je ne sais pas du tout si ça vous parle, internaute ou présent, mais c'est la vie industrielle, c'est complètement vrai. Ça devient très différent de la vie recherche. Pour moi, ça a été scientifiquement beaucoup plus dur. Les problèmes étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus durs. J'en montrerai quelques-uns. Mais c'est aussi parce qu'on avait choisi de faire comme ça. Dans Skate, ils ne sont pas plus durs. Ils sont aussi durs, pas moins. Donc, le jeu, c'était d'aller en vrai de la recherche vers l'industrie. Je pense que ce n'est pas très utile d'aller pour de faux de la recherche vers l'industrie.
C'est assez frustrant, c'est pas... Donc, mais y aller en vrai, ce n'est pas le même métier que d'y aller un peu. Il faut y aller les deux pieds, deux mains, la tête. Hein. Et puis, ce n'est pas seulement un move technique, hein, c'est un changement de mentalité complet. Il faut comprendre les gens, des gens très différents et qui ont raison d'être différents. Il faut comprendre leurs arguments. Il faut comprendre que eux, ce qui compte pour eux, d'abord, c'est l'économie, ce n'est pas la techno, ce qui est vrai d'ailleurs pour votre PDG aussi. D'avoir des produits qui marchent de A à Z et pas de A à Y. Alors ça devrait être le cas dans la recherche, ça n'est pas le cas dans la recherche, c'est le cas dans certains projets de recherche. Par exemple, j'ai cité OCaml, qu'on a utilisé en grand, et dans OCaml, c'est parfaitement vrai. Et puis, moi, je travaille avec Manuel Serrano sur HOP, on a fait un séminaire conjoint là-dessus. Ce sont des projets qui marchent de A à Z et pas de A à Y. Et la différence entre A à Z et A à Y, ce n'est pas une lettre, hein, c'est un monde. Du besoin de comprendre, il ne faut pas y aller si on ne comprend pas un minimum de marketing au sens noble du terme, c'est-à-dire qui sont les gens, comment leur parler. C'est ça, qui sont les gens, comment leur parler. Qui sont les clients, les partenaires, mais aussi les partenaires, hein, et aussi les chercheurs, et comment leur parler. Ils ne parlent pas le même langage, c'est ça. C'est ça la chose dont je parle. Voilà. J'ai laissé une petite bibliographie. Sur Esterel, il y a un papier qui est beaucoup cité, ce n'est pas celui-là qu'il faut lire, c'est celui-là, parce que l'autre, il est beaucoup cité parce qu'il est beaucoup cité, mais personne qui le cite ne l'a jamais lu, je pense. Ça, c'est la recherche, ça. Sur Lustre, il y a un joli papier dans les proceedings de l'I3E. Sur SCADE, pourquoi j'apparais deux fois, moi ? C'est une erreur. C'est une erreur, désolé. Il y a un papier qui est ce qu'on appelle un white paper. Dans l'industrie, ce n'est pas les papiers scientifiques, c'est les white papers qui sont entre le papier scientifique et le papier destiné à des pragmatiques. Et il y a un papier sur l'évolution des langages pendant 12 ans, donc par Benveniste, Signal, Caspi, Lustre, Edwards, Columbia, Esterel aux États-Unis et Nicolas Alvax, Lustre. Et puis, un séminaire dans mon cours sur la certification par Gérard Ladier, qui s'est longtemps occupé de la certification chez Airbus et qui a fait un séminaire dans mon cours il y a 2008, c'est déjà ancien. Voilà, je voudrais terminer en remerciant beaucoup de gens qui ont participé à cette aventure, maintenant qui continue sous d'autres cieux. Et c'est beaucoup de gens, mais ils ont tous vraiment participé, et pour moi, ça a été majeur. Voilà, ce sera probablement mon dernier exposé industriel de ce cycle de cours et peut-être pour longtemps, mais j'avais vraiment envie de le faire. Merci. Oui, je me demandais qu'est-ce qui a succédé ou qu'est-ce qui n'a pas succédé à Esterel dans le domaine des circuits. D'abord, le nombre de fabricants a été réduit comme une peau de chagrin parce que c'est de plus en plus dur. Et donc, si vous regardez, dans les téléphones, il y a Qualcomm, Samsung, Texas Instruments, des gens qui étaient là a à peu près disparu. D'ailleurs, Sophia a créé, il y a plein de gens qui se sont créés. Texas Instruments a malheureusement fermé. J'en suis vraiment désolé pour tous les gens avec qui j'ai travaillé. C'était vraiment très, très intéressant. On avait comme clients, par exemple, Philips, est devenu après NXP et ST, qui ont fusionné avant de disparaître, en gros. Donc, les clients ont disparu. Donc, la plupart des petites sociétés ont disparu aussi, rachetées par Synopsys, en gros, pour à peu près toutes. Peut-être pas, je pense en analogue, ça a été plutôt par cadence. Mais Esterel Technologies appartient à Synopsys, qui a décidé de l'enterrer à vie. Et je n'ai pas le droit de m'en servir, ni même de diffuser la doc pour l'instant. C'est comme ça, c'est l'industrie. Donc, les fabricants ont disparu, le métier est devenu de plus en plus dur. Faire un circuit, j'ai mentionné la dernière fois, Intel a eu un bug d'un transistor dans un circuit de 2,8 milliards de transistors. Ça a coûté $1 milliard à Intel. Donc, on est dans une industrie lourdissime, peut-être la plus lourde du monde. Les usines, le prix double avec les générations. Il n'y a plus personne qui peut en faire. Donc, c'est une industrie dans laquelle vivre est devenu vraiment dur. Voilà, ça a changé beaucoup. Et puis la crise a liquidé. Je ne peux pas raconter l'histoire, mais bon, nous, on a été tués directement par ça, mais par d'autres choses. Mais par contre, SCADE n'a pas été liquidé parce que le marché des avions est beaucoup moins volatile que celui des semi-conducteurs. Ou le marché des avions, des trains, ça a des durées de vie très grandes. Un avion, c'est fabriqué pour 50 ans. Un circuit, c'est fabriqué pour 2 ans.
Pas le même monde. Alors, 1 milliard d'investissements d'euros d'investissement de R&D pour faire un circuit qui vit 2 ans, c'est lourd.